c'est Luce les Neigeux. Bienvenue dans l'éclipse Tron de la Malle. Bon, Arsino elle est pas là, elle est coincée dans les emboutes, trop la théon. Ça craint. Bon, on va commencer tout de suite l'émission en attendant qu'elle arrive, cette petite conne. Salut. Excuse. Bah ouais, mais. Alors attends, elle faut que je vous raconte. Elle trompe les boules. Mathilde, tu sais la copine de Max. Ouais. La sœur de mon frère. Non. Alors ce qui se passe, c'est qu'elle était avec Kevin. Ouais. Or Kevin, tu vois, le problème c'est que mon cousin, tu vois, la dernière fois quand il était au boulot, tu sais, dans l'agence de pub avec Jean-François, et bah Jean-François il connaît super bien Vincent, qui est lui-même. Et bah ce qui s'est passé chez lui, c'est que Barnabé, son chat, il a mangé son réveil. Ouais. Mais pourquoi? Parce que c'est trop de la marre. Mais ouais, c'est vrai, ça t'arrache les ongles. Ouais, ça te crève les yeux. Ça te fout un méga chopé. Ouais, ça te déchire giga, méga top, supra, super, génial, super. Hein. Ça te pulvérise les baltringues. Ça extermine les bâtards. Ouh. Ok, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, ouais, qui est direct, bientôt donc terminée, puisque c'est la fin et donc il faut que ça s'arrête. Ouais. Eh bien, tout de suite, on a un téléspectateur ou une téléspectatrice au standard. Qui c'est qui est dans le téléphone, allô? Big bisous Philon, big bisous Arsino, c'est Carlos. Salut Carlos. Salut, big up à toi et à toutes tes massives. Bouyaka, bouyaka. Alors, je sais pas, tu nous appelles pour quoi? Bah voilà, je l'appelle pour dédicacer un trop de la balle de clip, hein, celui des Ritsa Mitsu Coco à ma copine Rosalie, 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 ah. Ok, c'est ta case dédi donc. Ouais, c'est ma case dédi, ouais. Ok, c'est lequel 5-5 tu veux des Ritsa Mitsu Coco? Ouais, c'est le live at Wembley de 1994. Ok, merci beaucoup. Ouais. Salut Carlos. Salut, je compte jusqu'à 3. Big bisous. Ok, alors une petite news quand même musicale. Ouais, vas-y, balance. Les Rita Mitsu Coco, quand même, il faut le dire. C'est un petit peu comme les Rita Mitsuko. Ouais. Sauf qu'ils sont sous Coco, ils ont pris des produits. Ouais, grave. Un peu comme nous. Oh non, arrête. Bon, ok. Ok, bon, bah, on se retrouve demain. Ah non, pas le fou rire, on recommence pas. Oh non. Bon, on enchaîne. Bon, on se retrouve dès demain. Arsinoé, ta gueule. Donc on se retrouve dès demain avec. C'est le foutoir. Allez, vas-y, balance les clips. Verita Mitsu Coco. Matensia, elle danse quand tu sanctionnes l'oreille du polystyrène excentrique. Amoretto, ouais, quand ta bouche ça monte, dis-moi quand tu souris et quand tu ris. Tu ris aussi, tu aimes tellement la vie que le temps se frappe, que le temps se frappe. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Matia. C'est la mort qui t'a consumé, Matia. C'est le cancer que tu as pris tout le temps. Attends, tiens, ça de ça. Il t'en reste? C'est bon, on est ready, steady, go, ready, go home.